إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous remercions Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui passe au travers. Nous continuons l'explication de l'autre tafsir des surahs Al-Mulk. Alors, dans nos dernières leçons, nous commençons le troisième verset quand Allah Rabbul Alamin dit Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. C'est lui qui fait créer sept les ciels, en l'olot, les superposés, en l'olot. Alors Allah Rabbul Alamin dans l'ayat précédent, il dit Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata. C'est lui qui fait créer la mort et la vie. Alors là-bas, il y a une cause concernant tout bonne créature qui est dans la vie. Tout bonne créature qui est dans la vie. Alors c'est Allah Rabbul Alamin étant les vrais, les rois, c'est lui qui mérite la royauté, lui-même qui crée tout ce qui est dans la vie dans eux. Et il nous donne la raison, c'est pour tester nous, pour guetter que c'est là qui fait un meilleur de bonnes actions. Alors, il y a un doute qui, quand nous cause meilleur de bonnes actions, apporte qui dit besoin sincèrement pour faire plaisir à Allah et d'après le principe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, définitivement, c'est lui qui fait plus beaucoup de bonnes actions dans ce qui est recommandé là, ben, ce qui est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, là, ce récompense, c'est pour plus qu'au là. Alors, malgré qu'Allah Rabbul Alamin n'ait pas fait une cause en ce qui concerne quantité, une cause concernant le bon, mais définitivement, le qui fait bon en quantité, les autres récompenses, les beaucoup plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Un demon, s'il peut faire une chose qui déjà d'après Sharia, et il fait lui pour faire Allah plaisir, plus il fait plus beaucoup, plus il gagne. Si on a une dépense, plus il dépense plus beaucoup, plus il gagne. Si on a des efforts pour faire, plus il met des efforts, il gagne plus beaucoup que Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout de suite, Allah Rabbul Alamin, après qu'il cause concernant ban qui est dans la vie, là il cause ban qui est dans la vie. Il dit Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alors parmi ban qui sont qui plus grand, qui nous témoignent, qui disaient témoigner, et qui la paix dans la vie, c'est le ciel. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître qu'il lui-même lui fait créer sa sept les ciels-là. Et malgré qu'il nous trouve un seul, mais définitivement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître qu'il y en a sept. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait un voyage pour y aller vers Allah Rabbul Alamin dans la nuit des Mi'raj, la nuit d'Isra et Mi'raj, alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à travers Burak, qu'Allah Rabbul Alamin t'a envoyé pour lui voyager, pour lui faire sa voyage, alors il fait monte tous les sept échelles. Il fait traverse tous les sept échelles. Et chaque semaine l'échelle-là, il y a un apôtre. Il y a un apôtre qui est un ange qui surveille ça et il n'est pas ouvert tant qu'il n'est pas gagné permission avec Allah Rabbul Alamin. Et comme ça même, quand un demande son roux, il est sorti, alors sa roux-là, il monte contre Allah Rabbul Alamin. Alors s'il y a un kafir, il demande permission pour lui ouvrir. Alors, pas gagner permission. Alors, Allah Rabbul Alamin fait résoudre sa roue là, l'eau, la terre. Quant à la roue d'un mu'min, il continue de monter, il y a jusqu'à côté Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'agit de mi'raj, il est au sac, dans le ciel, il est un prophète. Le prophète d'Allah qui, Allah subhanahu wa ta'ala, peut faire vivre la vie des barzakh là-bas. La vie des barzakh dans sa main, place là, je vais jouir. Ben, j'y sens, depuis maintenant, et ben, les autres faveurs qu'Allah Rabbul Alamin est préparé pour eux. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, définitivement, quand il fait nous connaître qu'il y a sept échelles, nous trouvons oublié, nous pas trouvons oublié, Allah Rabbul Alamin n'est pas cause d'accepter la vérité. Nous sommes obligés de croire là-dedans, et définitivement, il est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer nous certaines
réalité, pour nous amener l'iman au lit, il dit « Ma tara fi khalqi rahmani min tafa'ut » Alors, tu trouves dans la création qu'Allah Rabbu Amin, Ar-Rahman, ici Allah Rabbu Amin, n'est pas fait une cause étant Al-Malik. Jusqu'à cause concernant lui-même étant les rois. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fi khalqi rahman » dans la création de Ar-Rahman, pour montrer qu'il pitié Allah Rabbu Amin, lit beaucoup plus qu'il se colère. Et toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait dans ce royauté, est accompagné avec ce pitié. Mais la doute, c'est par pitié Allah subhanahu wa ta'ala qui retrouve tout ça, quelque chose qui peut dérouler dans la terre, Allah subhanahu wa ta'ala pas pétrape Banjimoun. Si Allah Rabbu Amin pati et n'a pitié pour Banjimoun, pour chaque péché que tu fais, que tu as, oui. Pas de aucun créateur de la terre. Pas de aucun créateur de la terre. Alors Allah Rabbu Amin lui fait nous connaître concernant lui-même et Ar-Rahman. Et dans sa surah, là, surah Al-Mulk, pourtant, surah même ce nom, c'est que des pécoses concernant la royauté. Quatre fois, Allah subhanahu wa ta'ala lui mentionne les noms Ar-Rahman là-dedans. Quatre fois, Allah Rabbu Amin mentionne les noms de Ar-Rahman pour montrer qui, quand c'est pitié, Allah subhanahu wa ta'ala est là pour nous. Et dans surah Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite, comme il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est là qu'il dit. Alors vous montrez qui Allah subhanahu wa ta'ala, son royauté qui est là, qu'il soit dans la dunya ou bien dans l'akhirat, l'y accompagne avec ce pitié. Il accompagne avec ce pitié. Et pitié Allah Rabbu Amin l'y inclut toute chose. Allah Rabbu Amin, ce pitié, dit dans nos créations, façon qu'il crée nous. Si pas c'est la pitié Allah dans la création, un seul coup, imaginez, dans nous fait grandir doucement, doucement. Hein, parfois, nous gagnons du lait, des bons enfants, nous faisons des artichauts. Autrement, vous direz, je gagne du lait, vous pensez. Un seul coup, si vous grandissez, nous. Si dans 16 jours, nous sommes un petit papa, nous sommes un grand monde. Quand c'est du lait, nous sommes gagnés. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, pense au pitié qui est là. Ça veut dire que graduellement, il fait nous grandir sans qu'il nous-mêmes ressent, sans qu'il nous-mêmes ressente. Alors, dans toutes les choses, il y a pitié Allah. Pitié Allah, il manifestait dans toutes les choses, mais parfois nous réaliser, mais parfois nous ne pas même réaliser. Alors Allah Rabbu Amin dit, tu ne pas trouver dans la création de Ar-Rahman aucune disproportion. C'est-à-dire toutes les choses lient bien dans sa place. Chacun côté bizarre était, Allah Rabbu Amin, toutes les choses lient bien avec la proportion. Farji'il basara hal tara min futur, retourne ton regard. C'est-à-dire, retourner, regretter un coup de l'eau de l'échelle. Est-ce qu'il te trouve, qu'il te fissure, un seul crack, un petit crack que tu peux trouver? Get insan. Insan, malgré quand ses précautions lui prend, pour lui couler un dalle. La majorité, un dalle qui coulait, autour, et non, sur un tasse. Pourtant, beaucoup de précautions, peut prendre même, mettre de l'eau, mettre, bâtiment bien, peut prendre toutes précautions, mais, autrement, on m'a levé la tête, autrement, sur un tasse, voilà ici, sur un tasse, voilà là-bas, crac, crac, pas ici, crac, pas le côté. Ça, c'est un petit, dalle qui, du moins, je fais fabriquer l'eau, la terre, nous trouvons qui commence à être défaut. Mais quand nous avons l'échelle qui couvert ça, les mondes-là, partout où nous allons, nous trouvons ça, les mondes-là, les couverts par une grande échelle. La moindre crac n'a pas été là. La moindre crac n'a pas été là. Dans ça, mal l'échelle là. Alors, peine à doute, tout cela, c'est pour montrer grandeur et capacité Allah subhanahu wa ta'ala, les grands rois qui méritent pour nous obéir à lui. Alors, si un dimanche réfléchit au grandeur Allah et au grandeur de ce bonne création, Allah Rabbu Amin, quand il concerne ce bonne création, ce bonne grandeur, il y a beaucoup de leçons dedans. Alors, là-dedans, il montre nous grandeur du Créateur. Alors, si Allah Rabbu Amin, c'est une création autant grand, Eli Akbar, c'est-à-dire, qui quand c'est grand, Allah Rabbu Amin, il est beaucoup plus grand. Alors, ça, c'est pour pousser tout pour nous réfléchir. Et Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, quand il se fait lever les matins, quand il se fait lever les matins pour faire tahajjud, il se fait lever sur la tête vers l'échelle. Et il se fait guetter l'échelle. Ensuite, là, il se fait dire, Je vais dire, finition de surah Al-Imran. Alors, peine à doute qui, pour montrer, grandir des arabes là.
Alors, quand nous guettons ça, les ciels-là, il fait nous qu'on grandit Allah, et en même temps, un grand robe pareil qui n'a rien pas fait, passe sans qu'il y connaît qui peut dérouler, qui peut dérouler. Il peut observer tout. Il connaît tout ce qui peut dérouler. Mais là, tout cela, c'est pour montrer grandir Allah. Alors, Allah, Rabbi Amin, il peut dire, retourne nos regards, est-ce qu'il nous trouve qu'il te fissure? Ensuite, Allah, subhanahu wa ta'ala, toujours pour faire un mushrik, un kafir, raisonner, il dit, thumma raji'il basara karratayn. Ensuite, retourne, votre regard, je dirais, de temps à autre, retourner, guetter, re-guetter, re-guetter, re-guetter. Est-ce qu'il se trouve quelque chose? Yankalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Alors, ton regard pour retourner vers toi avec humiliation, dans l'état humilié. Qui fait? Parce que même qui quand s'écoute, tu lèves la tête, tu peux être dans la création d'Allah, tu trouves lui qui était proportionné, tu trouves qu'il peut n'en fissure, et tu peux fatiguer, tu peux frustrer. Tu peux frustrer. Alors, tout cela, c'est pour montrer grandeur et capacité. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui lit les vrais rois qui méritent pour nous obéir. Ensuite, Allah dit, « وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ » Nous faisons embellir l'échelle des dunya. L'échelle des dunya, c'est l'échelle qui plie proche avec nous, qui nous trouve. Hein? Avec ben, la lampe. Ici, la lampe, c'est tout ben étoiles. C'est tout ben étoiles. Quand nous causons étoiles, en gros, il englobe tout ce qui est dans l'échelle. Sur le soleil, sur la lune, et n'importe qui mène les autres étoiles qui nous trouvent. Tout cela, c'est étoiles, même ça. Et alors, Rabbi Amin fait une cause concernant les étoiles comme la lampe. Alors, quand nous guettons dans les ciels clairs, et surtout quand on peine à la lune, quand on peine à la lune, nous voudrons qu'il y en a beaucoup même et beaucoup même d'étoiles dans les ciels. Et puis, il y a d'autres qui, quand nous guettons ces étoiles-là, les là, nous trouvons beauté de sa création. Vraiment, c'est un jolie création terrible, ça. Les ciels, bien jolis quand tout ça, man, ces étoiles-là peuvent éclairer. Il y en a d'autres qui parfois, même avec la lune, nous trouvent certaines étoiles. Mais quand on peine à la lune, les là, on trouve que c'est. Surtout quand les temps bien clairs, les là, on trouve plus beaucoup la lune, plus beaucoup d'étoiles. Alors, dans l'époque, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Mazdé, c'était. Nous pouvons, quand nous pouvons, devant la case qui bien te guide la case qui tient à toi. Bien te guide la case qui tient à toi qui couvert bien, mais pas trop là-haut. La majorité des gens qui peuvent dormir, peuvent les ciels même ça. La majorité des gens qui peuvent dormir, peuvent les ciels même ça. Alors, je gagne l'occasion pour témoigner de la beauté de sa création la plus. Nous, aujourd'hui, surtout dans les gens qui restent dans la ville, pas tout cas de guetter, trouver ce béton, pas trouver même l'échelle, pas trouver même l'eau, l'échelle qu'il y a. Nous parlons ici, témoin de sa beauté de l'échelle. Mais au fait, vraiment, l'échelle est remplie avec la beauté. Alors, les étoiles qu'Allah Rabbi Amin fin créé, comme un Qatada, un parmi les élèves d'Ibn Abbas, alors, les étoiles, il y en a trois raisons qui font Allah Rabbi Amin fin créé. Dans cette ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne des raisons. Allah dit وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Nous faisons embellir l'échelle de sa dunya-là avec la lampe. Ça, une première raison, c'est pour embellissement de ça, de la création. Ça, Allah une crise d'étoiles pour embellir l'échelle. Ensuite, il dit وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Et nous faisons faire l'ivin ban projectile pour lapide ban shaitan. C'est Allah Rabbi Amin qui servit les étoiles aussi pour brûler ban shaitan. Et la ban shaitan qui monte un dans l'autre jusqu'à ce qu'il remonte dans l'échelle pour écouter ce qu'Allah Rabbi Amin peut cause avec ça, non? Avec ban ange. Alors ban kicho qu'Allah peut décider. Alors ban, surtout ban sorcier, je t'envoie, je ban l'armée qui travaille avec eux. Pour l'écouter. Là, je gagne un bout, je t'ajoute que t'es une quantité mensonge avec ça pour embêter ban, pour embêter ban djibun. Alors, à cause de ça, qui, étant un bon musulman, jamais nous gagnons droit à l'côté de sorcier.
Saint-Jimouli a quand même aussi, il croit dans ce qu'il dit, alors il fait kouf, lorsqu'il finit de descendre, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il y a quand même aussi, il ne pas croire dans lui, 40 jours ce salat par contre. 40 jours ce salat par contre. C'est-à-dire, pour montrer nous qui, nous pas gagner droit même à l'alcool de ça. Nous pas gagner droit même à l'alcool de ban sauce, ban devin, etc. Tout ban qui redéclore qu'il se connaît, c'est ban du monde qui nous a reçu des autres. Et il m'a l'air qu'ils ont dit, beaucoup de musulmans, je tombe dans sa pièce à travers Internet, à travers portable. Alors, je rentre dans mon site et mon, soit dans mon clairvoyant, alors je donne le nom, je donne là, je donne quelque chose et je pose une question. Ensuite, là, je gagne ma réponse. Même si je ne suis pas d'accord avec la réponse qu'il me donne, alors qu'on est qui 40 jours, je ne serai pas pour compter. Et si je suis d'accord avec ce qui vient des autres, ça coûte de faire couf l'enquête. Ce qui vient descendre, le Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. À travers Internet, trop facile pour un dimon, aujourd'hui, il quitte, il finit, sorti en dehors l'islam. Il a trop beaucoup facilité pour qu'un dimon, il quitte l'islam, il fait rida avec Internet. Parce qu'il y a beaucoup de sites qui, ben, couffar, filmé, juste pour mettre doute dans la tête, qu'est-ce que dans la tête de Manjimoun. Et plus Manjimoun peine la connaissance concernant ce dîme, plus facile il rentre dans sa main pièce satanique-là et il perdit ce iman. Alors, bien sûr, nous étant un iman, nous avons reçu loin depuis une pièce satanique pareille. Alors, pas croire qu'il y ait des trois questions qui vous connaissent concernant l'islam, ou trop connaissent, ou rentrent dans toute qualité de site, et ou allier toute qualité de doute. Finalement, doute reste dans la tête, il passe du tout, et ou al mot le kufr. Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, toute sa connaissance qu'il tient là, quand il y a un manjimoun qui tombe dans un bid'a, et je suis dans un doute dans eux, tu peux venir avec lui, il passe plus rejoindre avec eux. Ben là, j'ai fini, je cite un peu lire le Coran avec toi. Il dit non, mon père, attention, moi écoute toi lire le Coran, après, moi redécoute toi. La moitié parole, si il parlait tout, attendez, depuis Manjimoun qui s'est habillé dans ce. Qui fait, il paye attention, mais là, met un simple petit doute dans lui. Il paye, pour jeune avec, man, qui s'est habillé dans ce, dans cette époque, attention, maintenant qu'il a un doute dans lui, allez. Et ce doute-là résout avec lui. Alors, il s'invite pour gagner des affaires avec Saman Kaltejimoun. Mais si Imam Ahmad bin Hanbal, il paye pour gagner des affaires avec man qui s'est un doute bidra dans eux. C'est un doute de man kufr. Définitivement, il est beaucoup plus grave qui nous a respiré loin de ça. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une deuxième raison, c'est qu'il vient et lance l'homme shaitan. C'est Allah qui lance l'homme shaitan. Et troisième raison, man arabe, tu peux servir ça comme un guide. Alors, à travers man, étoiles, je suis connu direction. Je connais direction. Parce que je connais man, différentes étoiles, côté ça, lit, situé. Alors, à travers ça, je finis connaître soit je dois dans le nord, ou bien dans le sud, ou bien dans l'est, ou bien dans l'ouest. Alors, il est facile pour je voyager pendant la nuit. Il est facile pour je voyager pendant la nuit. Alors, tout cela, c'est une raison qui fait à l'Arabie, les films mettent les étoiles dans les ciels. Alors ici, il mentionne des là-dedans et les autres places mentionnent troisième là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Wa a'tadana lahum azab as-sa'ir » et nous fait une prépare pour eux, c'est pour savoir un shaitan là, une punition dans sa'ir. Sa'ir, c'est un fait qui est bien faux. Sa'ir, c'est le nom d'un fait qui est bien faux, dans le fait l'enfer. Alors, parmi man, du fait qu'Allah Rabbi Amin fin mettait dans Jahannam, c'est une punition avec un fait qui est bien faux. Alors comment nous connaît Allah Rabbi Amin, il fait créer sept l'enfer. Il y a huit la porte pour Jannat, il y a sept la porte pour l'enfer. Et tout cela c'est pour montrer qu'il pitié Allah le plus qui se colère. Et ça que ça mène la porte de l'enfer là, définitivement, sur punition, les différents, basant leurs différentes qualités PC qui m'ont dit bon faire. Alors ici,
Allah Rabbul Alamin fait cause qu'on a un shaitan qui monte l'eau les sels qui brûlait comme une punition l'eau la terre même. Ensuite, une punition plus sévère, peut-être un autre que ça, dans l'enfer, dans Sahir. Une punition plus forte, peut-être un autre dans Sahir, dans du fait l'enfer. Alors parfois, un doute capable de venir dans la tête du monde, Allah crée shaitan avec du fait. Et il peut mettre dans l'enfer, est-ce qu'il peut brûler? Mais Allah crée nous à la terre. Hein, prends une boule de la terre, avec l'eau, où est-ce qu'il y a du mal ou pas du mal? Prends la terre, cette l'eau, où est-ce qu'il y a du mal? Alors malgré on crée ou l'origine avec la terre, mais il reste qui avec la terre, même qu'à Pidio. Alors sa punition qu'Allah Rabbul Alamin fait mettre pour ben Shaitan dans l'enfer, là définitivement, il faut brûler les autres et je vous brûler, je vous gagne dit, je vous gagne du mal. Et qu'on est qui dans l'enfer, apporte qu'il y a un effet qui est bien fort, et il y a aussi un fraisseur qui est bien frais. Il y a un fraisseur qui est bien frais. C'est-à-dire l'enfer dit en deux catégories. Un bien chaud, un bien frais, et tous les deux, Allah Rabbul Alamin pour servir, pour punir man, mandibul. À cause même qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui fait nous connaître comment l'enfer peut manger son camarade, si tant dit enragé. Alors il peut manger lui-même. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire lui apaiser un petit peu, il donne lui dès l'occasion pour lui respirer. Un y respirer dans l'été, un y respirer dans l'hiver. Alors il y a la même qui fait plus frais quand il respirer dans l'hiver et fait plus chaud quand il respirer dans l'été. Alors, Mazne, qui a été ça, du fait là, il faut, à cause même qu'Allah Rabbul Alamin, il fait mettre nous en garde pour nous prendre toute précaution pour qu'il ne parvienne parmi les habitants du fait l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite, après qu'il cause concernant ben shaitan, il cause concernant ben kafir, qui je te sais, je te mérite pour le brûler dans du fait l'enfer. Il dit, wa lil ladina kafaru bi rabbihim, ben qui fait kufr avec ce trop. Alors, bien doute que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mettre toute une preuve claire pour montrer que la création lit sa propriété. En retour, nous sommes un esclave qui nous a adoré. Nous sommes un esclave qui nous a adoré. Et il fait toujours envoyer un messager dans chaque époque pour enseigner ce peuple concernant sa vérité là. C'est-à-dire, adore Allah et pas adore personne à part Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui peut être adoré à part Allah, qu'il soit un idole, qu'il soit un pied, ou bien un symbole, ou bien un djimounmo, n'importe qui forme y était, tout ce qui peut être adoré à part Allah, c'est une fausseté, qui n'est pas propriété en rien, je n'ai pas fait une crée en rien, et je ne suis pas capable de faire non rien. Alors, qui fait nous adore un impuissant et nous quitte celui qui est puissant. Allah Rabbul Alamin, c'est lui, Al-Qadir, qui est en capacité de tout qui est, lui, Al-Malik, les propriétaires de tout qui est, lui-même qui contrôle tout qui est, nous quitte lui, nous adorons les autres. Alors, celui qui nie une vérité pareille, il fait coffre avec une vérité pareille, avec son robe, celui qui fait une crédit, celui qui est propriétaire de lui, celui qui donne tout ce qu'il a nécessité. Alors, pour ce qui est dit, Allah dit « Azabu jahannam wa lilladhina kafaru bi rabbihim » Ben qui fait kufr avec le trop, pour ce qui est dit, « Ena azabu jahannam »« Ena punition jahannam »« Wa bi'sa al-masir » Et c'est une très mauvaise destination, une très mauvaise place, ça. Sa place qu'appelle l'enfer, jahannam. Alors, masne jahannam, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître les effets qui nous sont dans la terre, lit un 70e des effets qui sont dans l'enfer. C'est un effet qui sont dans l'enfer, où vous ajoutez encore 69 fois dans sa lien qui est dans sa effet qui sont dans la terre. Mais ça effet qui dans la terre, du monde servit ça pour faire une ferraille. Ferraille, il faut ça. Alors, du monde qui a été solide, pour lui capable d'être sinistre. Quand il est sinistre, du fait qu'il y a dans la terre même, carbonise du monde ça. Brille du monde, carbonise du monde tout. Du monde pas capable, pas capable de résister. Ça, du fait dans la terre. Mais c'est un fait qui, son intensité, finit augmenter à cette terre.
Il a augmenté, il fait arriver une 70 fois encore, plus fort. Quatre fois, ça fait là, il faut. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, s'il prend un habitant l'enfer, c'est infini, c'est lui début dans différents enfer, envoie un île à la terre. S'il met lui dans un masjid, qui 100 000 du monde qui a fait ramaz dedans. C'est un masjid qui 100 000 du monde, qui grandit ça? Bien grand. Hein? Nous, le masjid, combien 100 du monde fait ramaz, 200 du monde fait ramaz, pourquoi 100 000 du monde? Masjid, quel est grand? Si l'Isis respire un coup, tout brûlé, sur les souffles, hein, ça habite dans l'enfer là, pas de cause du fait qu'il y a là, juste sur les souffles. Hein, ça l'air qui brûle dans lui là, sur les souffles qui respire un coup, il brûle que t'es. Ça sort mille du monde là, n'est un seul coup brûlé en lui. Ça c'est habite dans l'enfer là, ça, sur les souffles. Mais c'est l'enfer là même. Qui calte douloureux? Ça va du monde qui pour rentrer là-dedans, là, je vais souffrir avec douleur et souffrance qu'Allah Rabbi Amin puis mettez là-bas. Alors, au fait, Allah Rabbi Amin, quand il cause concernant la Jahannam, il dit Ouiddat lil kafirin. Il fait une préparation pour un kafir. Mais seulement, Allah Rabbi Amin, il fait une préparation pour un kafir, oui, maintenant je pourrais s'adonner éternellement. Et ce qui va le mu'min concerné avec l'enfer, ou bien je ne suis pas concerné avec l'enfer. Définitivement, man mu'min, je suis concerné avec l'enfer. Parce que parmi man mu'min, il y a une partie qui, Allah Rabbi Amin, lui pour faire je passe un séjour là-dedans, dans l'enfer. Pour man péché que je viens faire, et je ne vais pas gagner des pardons d'Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui fait connaître qu'Allah Rabbi Amin, lui pour tirer des vies dans l'enfer, man qui est même grandir. Et la remontade d'Iman. Ça veut dire que je suis mu'min, mais seulement je finis faire certaines actions qui ne sont pas finies faire de gagner les paroles d'Allah. Et il y a beaucoup de gens qui ont été précédents qui ont dit qu'ils ne peuvent pas gagner les paroles d'Allah, excepté après qu'ils aient fini de traverser ce qu'ils ont fait. Pas de l'enfer. Parce qu'il y a beaucoup de textes qui mentionnaient que Jannat bin Haram. L'eau, certaines man du monde, qui se tenaient certaines man, mauvaise qualité dans eux, mauvaise action dans eux. Parmi l'arrogance. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître qui, celui qui est là même grandir, la remoutade, l'arrogance dans lui, il va pour gagner une tienne, il va pour gagner une tienne net. Comme ça même, man qui casse la relation familiale. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui casse la relation familiale, pas pour rentrer dans la tienne. Pas pour rentrer dans la Jannat. Ça va dire ça. Nous comprenons lui, c'est qu'il ne va pas rentrer dans la Jannat aussi longtemps qu'il ne va pas payer ça. Conséquence ça dans l'enfer. C'est quand il finit payer sa conséquence ça dans l'enfer, il est là, regardez. Il est là, il pour rentrer dans la Jannat. Parce que c'est un kafir qui parle éternellement dans du feu l'enfer. Ben qui est un iman, je peux rentrer dans la Jannat. Mais c'est moi qui ça là, qui tu peux rouler, elle fait un petit moment même dans. Tu fais l'enfer. Un petit moment, un jour, quand Allah Rabbi Amin, il y a 1000 bananes. Un jour, quand Allah, combien 1000 bananes. Alors, imaginez, si un petit monde, hein, si nous calculons nous-mêmes, là, hein, nous vivons 40, 50, 60 bananes, nous mettrons, qui est long, hein, bien long. Imaginez, c'est un petit monde, si fait un jour dans l'enfer. C'est 1000 bananes, quand Allah Rabbi Amin. Et 1000 bananes, dans quel état? Hein? Nous, dans nous, 30, 40, 50, 60 bananes là. Qu'est-ce qui commence à activité, nous, non. Là, si, ben, parfois, nous fatiguer. Hein? À ce temps, du monde, persiste qu'il y a une punition dans l'enfer. Facile, ça. Alors, pour ça, qui, nous devons faire tous les efforts pour qu'il nous reste loin depuis mon action, qui amène vers du fait l'enfer. Et nous, cesser d'avec Allah, pour qu'Allah nous amène, et nous, pour nous faire mon action, qui amène nous vers Jannah. Et en même temps, nous cessons protection avec Allah quand on fait l'enfer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous beaucoup de moyens faciles pour nous gagner Jannah. Un parmi, c'est nous demander avec Allah pour qu'il nous donne Jannah trois fois grand matin, trois fois tantôt. Et nous cessons protection avec Allah quand on fait l'enfer trois fois grand matin, trois fois tantôt. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui demande à Allah. Pour donner Jannat trois fois grand matin, trois fois tantôt, Jannat dit, oh Allah fait vivre parmi les habitants.
Et celui qui cesse pour des choses avec Allah contre l'enfer. Trois fois le matin, trois fois tantôt, l'enfer dit oh Allah, protège-y de moi. Alors, comment la masse fajar finit, pardonne le temps, dit Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika min an-nar. Trois fois. Tantôt Marie, après Marie, pas oublié, ou dire Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika min an-nar. Trois fois. Ou que tu es pas obligé d'aller en créole, ou bien obligé d'aller en arabe, mais ce qui est important, on dit oh Allah, fais aucun jannah, protège-y de vite fait. L'enfer, trois fois comme matin, trois fois temps. Tantôt, Inch'Allah. Ensemble avec sa doigt-là, fais des efforts seulement. Sinon, on ne doit pas prendre aucun valeur. Tout le temps, nous donne ça l'exemple-là. Un zélé, c'est oh Allah, fais-moi gagner beaucoup d'enfants, fais-moi gagner beaucoup d'enfants, fais-moi gagner beaucoup d'enfants, c'est pas marié, pas les marier. C'est-à-dire, ce doigt, pas de ça, de sa place. Alors, quand je m'en dois, vous faites des efforts, vous mariez, tout, là, vous gagnez beaucoup d'enfants, Inch'Allah. Alors, comme ça, vous savez, quand Allah donne nous jannat, là, tout mon action comme une belle jannat. Vous avez fait ses faux parties, participer. Et tout mon action comme une belle jannat, vous avez fait abstenir. Là, Inch'Allah, vous pouvez rentrer dans la jannat et Allah, Rabbi Amin, pour protéger vous depuis que vous l'enfer. Alors, Allah, subhanahu wa ta'ala, il commence à décrire sa fait qu'il est fait préparer pour un kafir et pour un shaitan. Il dit Iza ulku fiha. سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Quand vous êtes là-dedans, quest Allah subhanahu wa ta'ala qui t'aime les servir. Dans l'enfer, pas quoi qu'il y ait, ouha, vous pouvez dire, welcome, non. Dans l'enfer, prends zété, prends traîner pour figuer, risser, aller. C'est dans sa façon humiliante qui, pour prendre du monde, pour mettre. Il a où le confie, quand vous êtes là-dedans. Et quand vous êtes aussi, vous êtes pas en grappe, ça, pas en groupe. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Allah Rabbul Amin pour prendre un groupe de man habitants l'enfer, man qui fait faire couf, vous êtes dedans, tu fais l'enfer. Pour un groupe, vous mettez ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous prenez un autre groupe, vous êtes dedans, سَمِعُوا لَهَا زُبُتَن. Man sont horribles, man gémissement. Hein, ça diffère l'âme, si tu as une commandienne diffère enragée, il vous commence à faire tapage. Ça tapage à même une tapage qui fait grimper. Ou à y a ta four. Et qui il peut bouillonner. Bouillonner, pareil que moi, on prend des trois lagrins, on met dans de l'eau bouillie. Quand Dilo il bouille bien, on met ça lagrin là qui fait ça. Il monte l'idée, descend dans Dilo là. Alors comme ça diffère là peut monter, descendre. Avec tout ce tapage. Il peut attendre ce ban, qui pourra dans lui. Et il connaît. Alors, Rabbi Amin fait lui connaître ce ban, habitant. À cause même qui est en place, Allah fin cause, Satan pour prendre ce ban habitant. Il prend ce ban occupant. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala continue. Il dit, Takadu tamayyazu min al-ghayz. Si tant se coller fausse à différents, il est prêt pour déchirer, il est prêt pour éclater. Si tant tu fais la faux, mais c'est parce cause un fait qu'Allah Rabbi Amin puis mettre allumer, je sais pas combien mille bananes de cela et puis continue allumer même bien les mêmes là. Mais c'est qui cale des faux, ça fait la faux. Alors qui il commence à faire un tapage effrayant et là il peut déchirer. Et comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam le dit, si tant le bain, il peut allumer, bien allumer, il peut remanger lui-même. Qu'Allah, Rabbi Amin, finit de lui, des jours pour, des coups pour lui respirer. Un coup dans l'hiver, un coup dans l'été. Kullama ulqiya fiha fawjun. Chaque fois qu'il met un groupe du monde là-dedans, on ne dit pas mettre un par un ça. Vous mettez par groupe. À chaque fois qu'il vous prend un groupe pour mettre là-dedans, et normalement, un groupe ici, Allah Rabbi Amin, il fait connaître que les jours du Qiyamah, il peut rassembler du monde, basant le c'est une action que je peux faire. Hein, à cause même que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, man tashabbaha bi qawmin, fa huwa minhum. C'est lui qui imite un peuple, il peut pas en miser. Alors, aujourd'hui, beaucoup, nos frères, nos sœurs, malheureusement, on dit qu'ils se prennent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme notre modèle. Alors, je ne prends acteur, actrice. Footballer, santé, comme je vois le modèle. Attention que les jours du Qiyamah,
Trouvez-vous ensemble avec ce même groupe-là. Et quand on prend un groupe santé est là, ce même groupe acte est là, ce même groupe actrice là, on prend peut-être d'autres films. Attention aussi, puis aller ensemble. Alors, Père Allah Rabbul Amin, et prend au vrai modèle, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est meilleur de votre modèle dans toutes les choses. Père Allah, qui est un prophète là, finance à nous, qui pas dans nous l'avantage. Tout ce qu'il est déjà nous faire, quand nous faire, il donne nous l'avantage. Tout ce qu'il est déjà nous, pas faire, quand nous obtenir, il donne nous l'avantage. Alors, quand vous prenez un monde par groupe, vous êtes seul dans ce fait l'enfer, ça a l'enfer, l'enfer est non, ce gardien. Et ben, gardien, l'enfer, c'est un ange dur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une crésote spécialement pour gardien dans ce fait l'enfer. Et Allah, Rabbi Amin, une crésote d'une façon qui, l'enfer, pas fait aucun dit aux autres. Cette création est différente avec nos créations. Allah n'a pas fait une créance pour qu'il gagne une punition dans l'enfer. Mais lui, l'enfer n'a pas fait aucun effet là. Alors, il existe un gardien qui est là pour obéir à Allah Rabbi Amin. Si Allah Rabbi Amin vous allez faire avec Manjimoun, ça va lui faire. Prends les vins étés, piler, traîner les étés, ça va lui faire. Ce qui dit qu'un autre avec Allah, il peut faire ça même lui. Alors, avant mes autres seulement, il pose une autre question. Alam yati, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha, alam yatikum nadhir, est-ce qu'il avait attisé à partir de l'autre? Allah, Rabbi Amin, pas ça, il avait attisé à partir de l'autre. Pour qu'il ne soit pas venu parmi mes habitants l'enfer aujourd'hui? Personne ne peut pas dire non. Pas ça, non. Malgré qu'ils ont beaucoup de causes mentis à ce jour-là, mais Allah Rabbi Amin, pour faire ça, il connaît non. Fini non. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps, il envoie un prophète, un messager. Et dans l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malgré que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est dernier des bons prophètes, des bons messagers, ce Ummat, il gagne sa responsabilité là pour que pour ordonner bien, pour empêcher le. Pour donner bien, pour passer mal, pour faire dawa. Et alhamdulillah, dawa, peut faire à travers les mondes. Partout, entier les mondes, et dans le monde qui vient vite vers Allah subhanahu wa ta'ala, puis donner bien dans le monde, puis passer mal. Alors, personne ne peut me dire qui je ne sais pas. Ou bien, je suis resté, pas la personne qui est venue. Alors, si vraiment, un monde est conscient, qu'il y en a pour retourner, il y en a pour mort, il y en a pour retourner, mais Allah subhanahu wa ta'ala, définitivement, Allah fait mettre trop beaucoup ainsi dans la terre qui montrait concernant son unicité. Alors, l'ivraie qui nous aussi nous devons, c'est nous propager sa dîne-là à ban qui parle là-dedans. Mais seulement, connaît qui ban kafir, si vous tenez un dévoile aux autres, vous êtes réfléchis à l'aide de votre esprit. Pareil que moi, je ne conseille pas votre esprit. Dans dunya, dans tout ce qui est pour vous progresser, juste côté te dit, tu vas servir l'esprit, tu vas comprendre. Dans tout bon pays, présence des bons musulmans, il y a déjà une preuve contre bon kafir. Présence des bons musulmans. Assez avec bonne facilité internet, etc. Mais la doute qui tout cela, il faut une grande preuve le bon kafir. Mais aucun kafir excepté qu'il y connaît concernant l'islam antique. Tout kafir en général, je connais un ticket concernant l'islam. Je tout connais qui est musulman, je parle de naïe. Je parle de naïe comme une création. Je t'adore juste les créer, je t'adore juste les créateurs. Tout le kafir connaît ça. Je parle de musulman, adore Allah. Allah là n'est pas ni un symbole, ni un idole, ni naïe. Je connais ça. Alors, ceux qui, Allah fait de autres d'esprit, c'est-à-dire, vers ce man qui sont, qui pas trouvé, pas tendé, pas qu'à faire, non, c'est bien réfléchi. Mais c'est bon, il y a aussi, nous devons, nous, étant man qui est un iman, pour nous faire sa message à plus clair à ceux, nous, invite ceux. Alors, tout le monde qui connaît l'islam, ou bien qui est dans l'islam, il se devoir, pour lui faire d'avoir avec ben qui pas musulman, parce que les jours du Qiyamah, ben là vous dites, mais mon camarade, ça, tous les jours j'ai besoin de travail, tous les jours j'ai besoin d'aller à l'école, d'aller à la leçon. Jamais il fait un invitement vers l'islam, jamais il fait un invitement vers l'adoration à Allah. Alors, qui vous répondez là?
Alors au moins, si vous n'êtes pas capable de faire d'avoir directement, faites-le indirectement. Indirectement à travers un pamphlet, à travers un livre. Il y a trop beaucoup de pamphlets qui finissent écrire concernant l'invitation vers l'islam. Ou bien une cassette, une CD, etc. N'importe qui moyen qui est plus facile pour servir pour inviter un kafir vers l'islam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il faut dire man qui peut aller dans l'enfer là, il faut faire un enzage manjot, est-ce qu'il n'y a pas de aucun avertisseur qui se vient bien jet? Alors je tout répondre quand l'eau bala. Je vous dis bien sûr. Je vous dis bien sûr. Finez là, ban avertisseur qui finit. Mais seulement, ban là qui vous dit, quand déjà un an à dire. Bien sûr. Ben, avec ça, tu viens vers nous. Fa kazzabna. Mais c'est moi, nous finissons devant, tu sais. Wa kulna ma nazzalallahu min shay. Et nous disons que Allah va finir descendant. In antum illa fi dalalin kabir. C'est simplement, ben, qui donne un grand légat. Alors, Inch'Allah, dans nos leçons la semaine prochaine, nous pouvons causer un petit peu plus. L'eau, ça va être là. Alors, pour aujourd'hui, nous terminons par la même. Wa kulna qawli hadha. Wa astaghfirullah li wa lakum. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.